Hello tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons sur Dark Souls 3. Eh bien, allons-y, j'ai envie de farm les armures du chevalier. Ouais, voilà, on va les farm, simplement. Non, c'est ici, tac. On va aller les farm, on va essayer de loot ce putain de casque et ce putain de gant. Et après on sera bien mon frère, t'inquiète, si si la famille. Et ça c'est tout ce qui compte, voilà. Je crois que j'ai peut-être mis un petit peu... Ça dépend du poids du casque. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être mis un peu trop, mais peut-être que j'aurais juste pile assez pour la porter au complet l'armure. Je vraiment juste la porter pour le swag, hein. Je m'en fous, hein. Juste la porter quoi. Alors est-ce qu'on a des pièces à claquer? Vas-y. Doré. C'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Coucou. Aïe. Toujours hein, quand vous lui foutez un coup de pied, c'est là où il enlève le bouclier. Oh une braise, bon, c'est pas nul hein, les braises hein, comme vous savez. Lol. Alors lui, il est complètement d'espace et moi aussi. Hein, donc, des génies hein, nous sommes des génies. L'armure, mais putain les gars, s'il vous plaît, je veux autre chose là. On va utiliser une braise, on en a l'autre deux. C'est bien si on peut farm des braises sur eux aussi. Ça c'est pas mal. Il y en a un qui traînait là-bas. On va vite essayer de le tuer avant qu'on ait plus l'effet du... Ah bah on l'a plus. Faut quitter. Bon, allez bien. Non, si je te... Je vais le faire là-dessus, si on l'a enlevé. Viens te battre ici mec. Arrête de faire le con. Oh! Je pensais que j'avais pas de stun mais non. Oh oui! Non. C'est bon. Allez! Hop ma race. Alors il y en avait encore un en haut et je crois que c'est tout. Je crois qu'il est juste là. Aïe. Attention, tu pourrais blesser quelqu'un avec cette arme. Comme par hasard, j'ai voulu faire mon coup de pied. Et comme je dis souvent. Putain. Comme je dis souvent, oh putain. Exact. Wouh. C'est le backstab. Un mélange de couleurs. Wow. Le backstab. Tu vas vraiment l'apprécier. Wow. Le backstab. Bon. On se prépare. On essaie de faire de nouveau deux kills. En tout cas, avec les pièces d'or. Ce serait pas mal. Allez. Et l'autre, ça doit prendre, s'il te plaît. Quoi, je fais mon backstab là, je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est du zéro loot les amis. Viens vite, j'ai pas le temps. Oh putain. Alors ce que j'ai compris lui non plus, il a pas le temps. Merci la tombe, tu m'as sauvé les fesses. On peut passer. On va avoir le temps de le finir. Pas de loot, mais c'est une blague. Oh le jeu de merde. Mec, viens, c'est pas un point correct. Enfin. Voilà.
Arrête, arrête, tu vas tomber. Alors je crois que si on fait un saut magnifique comme on avait fait au début dans le jeu, on pourrait aller plus rapidement en passant par là. Voilà. On va faire le tour. On va shorter notre arme. Est-ce qu'on aura le temps de le tuer? Je sais pas, parce que c'est un espadon celui-là. Et les espadons, bah, vous le savez très bien, s'ils se mettent à enchaîner leurs attaques comme des gros bourrins, et ben ça ne fait rien. Oh la tartine! Mais... En plus... Putain... En plus, je vais à l'iche-feuille. Non mais... Écoutez-le, cet homme, c'est un génie, quoi. Non mais... Quelqu'un m'achève, là, je veux dire. Merde, je suis débile. Je suis débile. La débilitude incarnée. Voilà, je suis la débilitude. Votez pour moi, s'il vous plaît. Même Trump, il est au-dessus de moi, là. Non mais, s'il vous plaît, quoi. Bon, ok. On se calme. On se calme. On enchaîne l'arme. On claque la pièce. Lui aussi veut l'armure. Regardez. Il y a déjà le armure comme moi. Par contre, il avance. Un peu plus en mode poussy que moi. Voilà. C'est comme ça qu'on fait à la maison. Pas le temps de niaiser, celui-là il doute rien. Alors je voudrais savoir où c'est que vous l'avez acheté votre casque, parce que j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Il disait bien que c'était là-bas, hein. À l'endroit où ça loot jamais, c'est ça. Je déteste cet endroit. Hein. Pas dans le vide. Non, non. Il a été par lui-même. Il a fait YOLO. Et il est mort. Je me demande si je vais peut-être arrêter de le... enfin couper cette zone et farmer moi-même de mon côté l'armure. Et puis voilà. Parce que, dès que j'ai fini de choper, je vous dirai voilà, j'ai fait 10 000 kills de ces bâtards. J'ai mal. Hop. Voilà. Comme ça qu'on fait à la maison. On fait contre le mur. Et c'est parti. Ouais bon les amis, j'ai fermé de mon côté. Et je vous dis, je récupère l'antenne dès que... hein, ça loot. Ok, à tout de suite. Alors juste pour vous dire, je viens de faire une run supplémentaire. J'ai loot les jambières. C'est la joie. Allez, à toutes. Loot l'armure. Wouh. Non mais regardez-moi cette blague hein. Espadon plus armure. Non mais fuck it, le casque il faut le loot quelque part, élégant aussi, hein. Qui va me dire ça, hein. Venez vous battre. Bon, à toutes. Bon, tout ça c'est la même run au cas où, hein. Les deux armures, l'espadon et les jambières. C'est la joie. À tout de suite. Look at you. You got a shield. Les amis, on a les gantelets. Plus que le casque, plus que le casque. Alors en termes de stats, si vous voulez savoir par rapport au chevalier d'argent, les gantelets sont plus lourds ceux du chevalier d'argent. Et ont des meilleures stats. Donc j'étais peut-être pas obligé de prendre autant de poids supplémentaires. Bon, au pire on pourra faire des builds de double espadon noir, hein, de tueur de dragon. Voilà, parce que nous on rigole pas. Ils sont les espadons, je veux juste voir combien ils pèsent. Putain, ça pèse 7. Qui est l'espadon? Là. Alors, on a un espadon, hein, on en loot un deuxième et on fait une bulle double espadon. On a plus de respect. Putain, 16 en poids l'espadon. Allez, à tout de suite. Oh my god, littéralement le meuble d'après, le casque. Là, c'est bon, c'est la fête. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Bah non, c'était exactement pile tout calculé. Regardez-moi ça. Ah, ce swag intense. Tu laisses ma puissance maintenant. 69,5 en poids. C'est juste nickel, quoi. Je pense que j'ai pas un casque plus lourd pour comparer les stats.
Alors j'ai lui qui est un peu plus léger, qui a des stats pas trop dégueulasses. Hein. Moins résistance à tout ce qui est magique, saignement, poison, etc. Mais en tout ce qui est physique, c'est meilleur par contre. Voilà, après moi j'ai clairement farmé cette armure puisque je le swag quoi. Je le swag. Regardez-moi ça. Manque plus qu'on se mette un petit bouclier de chevalier noir. La place de l'arc de Paris par exemple. Ta gueule, je m'en fous que je n'ai pas les capacités nécessaires. Oh là là. Ok, on va passer à la suite, on arrête les conneries. C'est bon, on retourne à les cheveux. 56 000 âmes dans le processus du farm. Oui, c'est pas mal, c'est honnête, c'est honnête, c'est cool. Du coup, on va pouvoir augmenter un petit peu nos stats encore une fois. Si... Juste rééquiper l'arc. Paris qui est très très bien. Merci de me dire d'être revenu. Je pourrais lui donner les yeux aussi, hein, hein, mais ça m'inquiète vraiment. Voilà. On pourrait augmenter la force histoire de peut-être partir sur d'autres builds. L'endurance, j'ai juste ce que je voulais. La vita, on a assez de vie, clairement. Mémoire, je vais pas le mettre en deuxième sort. Attention, ça peut être... Non, c'est pas les sorts en fait, c'est. Si, c'est la mémoire qui augmente les sorts. Connard. Nombre d'emplacements de sorts, oui, donc. C'est pas tous les points hein, que ça va vous augmenter d'un sort, c'est tous les 5-6, je sais pas, voilà. Faut en mettre quand même pas mal. Mais bon, ça me sert pas grand chose. Je pourrais en mettre quelques-uns. Mais je suis pas sûr de mon coup. Je suis pas sûr de mon coup, vraiment. On va peut-être simplement acheter toutes les sorcelleries déjà chez la Dadam là. What the fuck mec? Oh! Hey! What the fuck? Elle a disparu, elle a littéralement disparu de la surface de la Terre. Non mais please. There is one thing that you should know. There is a dark whether the is fear. There is one. Ça j'aime pas. Ah, nique Voras. Alors j'aime pas du tout le fait qu'elle ait disparu, ça m'inquiète vraiment. En plus c'est un personnage qui a l'air très faible de base. On va essayer de se reposer, voir si elle respawn. S'il vous plaît, tous mes PNJ ils sont en train d'être flingués là. What the fuck mec. Oh Biatch, t'es où là? Tu veux que je donne les yeux à la salope, c'est ça? Ashen one, may I put, has the little Lord Ludlath spoken to thee of any a sense that he possessed of a thing once most precious? Or pray tell. It Ashen one, may I... tu me parles des yeux là ou je sais pas. Je sais pas de quoi elle me parle. Oh mais c'est pas cool quoi. J'avais de la thune là. And the black is as if it were we did all we much has happened, mayhap. Ash of what the thin light of these eyes might reveal to the eyeless firekeeper, scenes of betrayal, things never intended for her ken, this age's end. Ok, donc les yeux seraient pas cool. The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born. So I willed myself, Lord, to link the fire. To paint it. What is thine intent? The eyes show up. J'ai pas envie de lui faire du mal, la pauvre, elle est toute gentille. Hein. Juste voir l'âme du dragon, qu'est-ce qu'elle donne. Séros. Vortex lunaire, je me disais bien que c'était l'épée... la grosse épée qu'ils mettent dans tous les jeux qu'ils font à FromSoft. J'ai pas l'impression que tu...
suis tout à fait chinoise. Est-ce que... I don't know, bro. I don't know. Ouais, fuck it, on va garder nos âmes. Ouais, non, on va les dépenser à la mamie. Voilà, on va arrêter de faire le con. On va acheter des braises à la mamie parce qu'on en aura besoin quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Tout ce qui est unique, on va le prendre. Je prends des sorts aussi. Bon, après, ils vendent des armures, of course. Ils vendent des anneaux, surtout. Alors, on pourrait acheter des armures. On pourrait commencer à les acheter. Pour faire du swag souls. Hop. La mode de la danseuse, elle est toute légère. Hein. Ah non, c'est le casque qui est super léger, l'armure. Putain, elle pèse déjà lourd. Ouais, bon, là, vous êtes smoog. Vous êtes une montagne, quoi. Bon, on va rien acheter d'autre, je pense. On va acheter ça, c'est unique. Non, je suis dégoûté là. J'avais assez pour tout acheter à l'autre salope. Et bah non, elle s'est dit, bon, moi je me casse. Hein. Elle a plus. C'est pas cool. C'est juste pas cool. Alors juste faire une petite pause, je reviens dans un instant. Alors me revoilà les amis, je me suis amusé un peu à regarder ce que j'avais. Putain, quand même j'ai pas mal de fucking cristaux. Et je viens de me souvenir qu'il y avait un pote qui m'avait dit aussi qu'on pouvait faire un truc pour améliorer encore le Lushigatana en fait au forgeron. Du coup j'allais voir c'est quoi l'amélioration qu'il m'a dit. Tu peux augmenter le scaling encore sur ton katana, mais tu perds ton scale avec la force, chose que j'aurais rien à foutre, parce que la force D, de toute façon j'ai rien en force. Donc normalement on va gagner en dégâts encore, si je fais ça. Un poignet à l'arme. Ushi. Donc, voilà, ça passe un scaling B là. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Ouais, c'est celui-là le meilleur. Donc vous voyez qu'on perd un petit peu de dégâts, un petit peu de stabilité. Mais on gagne un B en scaling. Et on perd 16 dégâts. Ok, la stabilité c'est un peu chiant quand même. Ah putain, c'est chiant, c'est compliqué. J'aimerais bien le passer en plus 10 pour voir si ça passe en un truc encore plus élevé. On va pas le faire de suite, on va attendre de le monter en plus 10 avant de faire quoi que ce soit je pense. Mais voilà, ça on peut le changer si on le veut pour autre chose, peut-être plus intéressant. Mais pour le moment, on reste calme, on reste avec ce qu'on a. Ça fonctionne très bien, on est d'accord, ça fonctionne très bien. Le truc c'est, est-ce que je pourrais encore l'enchanter si je le modifie? On ne sait pas non plus. Donc c'est un peu la merde, je vous l'avoue. Alors, on va faire un truc cette fois. On va explorer toute la zone d'avant. Parce que là on a 20 000 âmes. Bon rien, c'est pas non plus la fin du monde. Et nous quand on a fait la zone d'avant, bah ça nous a TP à la fin du boss. Genre, allez tu l'as tué, c'est bon, allez hop. Des coups maintenant, cette armure est solide, pas trop non plus sinon on va mourir et on est mort. J'ai fait de la grosse merde hein. Vraiment là j'ai joué comme un cul mec, comme un cul. Je suis un anus sur patte. Jeannot l'anus. On va se téléporter à la première zone. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça, je suis débile. Hashtag débile fois 1000. Voilà. Donc si toi aussi tu te sens un peu débile, hein, vas-y, pose le hashtag débile fois 1000 dans les commentaires. T'inquiète pas.
On est avec toi, mon cas. Alors. Enchanté. Essayer de massacrer lui d'abord. Hop. Hop. Voilà. Et nos âmes. Et voilà, on est content. On peut aller à la zone du boss. Ou alors se reposer pour qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. Et on va à la zone du boss. Voilà. Exactement. En tout cas, c'était cool ça. Encore une fois, ils apportent des nouveautés dans Dark Souls. Et là, bah, c'était un boss qui était vraiment unique dans la forme, enfin dans le fight quoi, c'est vraiment unique et c'est cool, ça apporte des nouvelles choses. Alors, il y avait un message là, à droite, anneau patati ta gueule, hein, donc on va vérifier. Putain. Bien caché, hein. Anneau de protection d'acier. Pas mal. Et si vous sortez trop en carton, c'est l'anneau fait pour vous. Trésor droit devant. Je plus sois, je plus sois. Et arrête de sonner toi, saloperie. Alors de ce côté ça a l'air d'être le vide intense. Mais putain, mais d'ailleurs il y avait un autre dragon en haut en fait. Oh mon dieu, on doit affronter un deuxième dragon quoi. On a l'autre une arme d'ailleurs, un truc tueuse de dragon, donc peut-être qu'on devra l'utiliser. Putain, ça va être trop lourd si on doit utiliser de nouveau un truc spécial. Déjà. Putain les gars, vous êtes juste les rois des relous quoi. Oh my god. Y a rien. Là de l'autre côté on a déjà regardé. Attaque plongeante. Oui c'est bon, on a compris. C'est marrant parce que vous voyez ils mettent des messages d'attaque plongeante un peu à des endroits quand même assez random. Mais bon c'est pour que les gens se rendent compte que il y a peut-être quelque chose à faire pendant le fight quoi. Je plains les mecs qui ont dû faire le fight pendant 50 minutes à taper comme un con quoi. Je plains ces personnes. Titanite scintillante. Oui monsieur. Oui 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 oui. Alors on a le chemin classique ici. Et on a ce chemin là qu'on a pris d'avant. Je suis complètement con. Je croyais que c'était un nouveau chemin. J'étais là en train de me dire mais mec je connais ce chemin. Bestiole quoi. La speed qu'ils ont mais pouah. Embuscade, oui je sais. Les boules de feu non, pas encore. Ok. Je pense qu'on est pas raté. Pas tant d'items que ça, mais bon, il y en a quelques-uns qui traînent à gauche à droite quand même. Oh! Encore qui m'ait raté ce coup parce que j'étais pas prêt de l'esquiver celui-là. Alors on va juste vérifier qu'on est raté de ce côté. Pas envie de l'affronter le gros, c'est un peu long et chiant. J'ai osé de mourir bêtement. Ah, qu'est-ce que je disais? Et vas-y que je te frappe à travers le mur. Parce que moi j'ai pas de respect. Non mais lâche-moi.
Oh, c'est bon là. Beat. Ah, j'ai envie de dire que c'est clean, hein, normalement. J'ai encore niqué un module qui traîne, mais... tout là-dessus. Alors, juste voir, des sortes de petits ponts qui descendent encore après en bas. S'il n'y a pas quelque chose à faire, du coup, ces petits ponts. Ça continue là-bas, après ça descend, et après on arrive là-bas sur la muraille. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être pas, je sais pas. Là au bout on a déjà été. Ok. Continue de descendre. Est-ce que je peux sauter là? C'est la grande question. Y a rien en fait, c'est juste pour faire un petit comeback rapide en fait. C'est exactement ça. Bon, pour l'instant on n'a pas fait grand chose dans cet épisode, je suis désolé, mais bon, je voulais absolument mon armure. D'ailleurs je vais voir combien de temps de vidéo je suis, on se retrouve tout de suite. Ok. On y va, on n'a pas beaucoup de temps, on se record le plus possible. Merde, j'ai stocké toutes mes armes quasiment avant. Du coup j'ai pas la lance tueuse de dragon, je vais peut-être en avoir besoin. Putain. Vous sentez la connerie arriver? Moi je la sens. Hein. Peut-être qu'il y aura un feu avant, je l'espère. On essaie pas de forcément les affronter tous, c'est un peu chiant. Ouh, tu vas en habite. Bah tu la verras pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas envie d'affronter le gros, hein. Le gros il est casse-couille. En plus il est placé à un endroit assez chiant parce que bah si vous balayez, eh ben vous tombez mon pote. Et tomber mon pote c'est pas cool parce que bah ça vous tue en fait. Ouais, ça vous tue les amis. Et mourir c'est pas bien. Voilà, donc arrêtez de mourir. Voilà, faites un effort, essayez de vivre un peu là. Parce que c'est chiant en force, hein. Franchement moi ça m'énerve. Hein. Oh, tu vas niquer ta race, merci. Alors peut-être les petits gorons qui sont de nouveau là. Il y en a un qui est là en tout cas. Oui, ils sont les deux là, donc on peut les farmer. C'est une bonne chose. Comme je dis, c'est une bonne nouvelle. Ces titanes scintillantes, ça se trouve pas partout. Par contre, ils font super mal. Et là, je me suis mal pris, j'ai aggro les deux en même temps. Et je vais tomber. Et je vais tomber. Et je vais tomber. Bon, on se retrouve ici, je coupe. Me voilà à nouveau. À côté des petits gorons, on va essayer d'en pull un à l'arc de Paris. C'est la roulade dans la gueule. Ah, pas de loot cette fois. Oh mais t'es fatigant. Eh bien... à toutes. Je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je récupère quand même cette arme avant de faire quoi que ce soit. Hop. Comment j'ai de l'autre côté? Oh! Tu... Hein? Tu... Tchut. Voilà. C'était une lance je crois. Hein. Permet de charger l'adversaire en maintenant à la fin de la style. Einstein. Nice. On va la prendre, on n'a pas la force pour la manier je crois. Est-ce qu'on peut la manier à deux mains en fait? 20. Ça fait fois 1,5 je crois nos stats quand on les porte à deux mains donc. Je pense pas que je pourrais la porter parce que j'ai 12 normalement du coup. Non, ça rachètera plus 6, je passerai à 18, ce sera pas assez.
Bon, voilà. Je vais pas couper la vidéo, bon, je vais rush hein, comme un autiste. Hein. Je vais même pas me fight contre les gorons parce que voilà, ils m'ont cassé les noix deux fois, c'est bon. Mort deux fois sur des petits gorons à la con, c'est rigolo, mais voilà, c'est un peu fatigant. Hein. On est d'accord là-dessus, on est d'accord. Alors toi tu vas me chase de l'infini. Hein. Je vais te chase toute ta vie, je vais te chase toute ta vie parce que je m'emmerde dans la mienne. Je m'emmerde vraiment dans ma vie. Je m'emmerde. Alors je vais te chase toute ma vie. Non mais... Oh le daddy là, normalement tu me suis pas jusqu'ici. Oh il va me casser les couilles. Bon. Ok c'est quoi? On récupère nos âmes. Yolo. Ah, le dragon, vas-y massacre-les. Merde, y'a pas de chemin par là. Oh putain de sa race! Mais putain, nique ta sœur! Oh! A toutes! Voilà, personne nous suit, personne nous emmerde. Fuck it quoi. Alors, cette zone, à quoi elle ressemble? Oui, on va pas se laisser tomber. Ok. Ok. Bon. Le but va être de passer ces petits gorons. Toi, tu viens par là. Ah mais merde, y'a les gorons, putain je suis con, j'ai oublié ça. Bah oui. Ils ont décidé d'être casse-couilles. Ils ont décidé d'être casse-couilles avec cette zone. Oh non, ça va rester encore de la merde. Oh, mais j'ai pas le temps pour ce genre de conneries, tu sais très bien là, mamie. Wow, 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 la rapière de l'espace. Quand il lève sa rapière, c'est quand il fait le méga combo de la mort. C'est là. C'est malin. Cette émeute, vous allez l'avoir souvent, le doigt en bas si vous invade, si vous faites une invade et que vous ratez. Hein. Et que le gars il vous tourne dessus comme ça, c'est tout à fait normal. C'est le taunt suprême. On va juste voir si le dragon est toujours là. S'il est toujours là, on va essayer de le fighter. En sorte qu'ils reviennent, si possible. Ok, un mort. Non mais s'il vous plaît les gars, pas tous en même temps. Il loot rien cette fois, putain, c'est la merde, les gorons ils puent la chie quoi. Alors est-ce que le dragon va revenir, c'est la grande question en fait.
tellement rapide en attaque les gorons là, ils arrêtent pas. Hein. Alors est-ce que Mr. Dragoon va revenir? C'est la grande question. Hein. Non. Le dragon n'a pas le temps, il a été à la zone suivante, il s'est dit ouais mais bon, toi sac à merde, j'ai pas le temps à perdre avec toi. Hein. Alors, je t'ai dit qu'il y avait peut-être quelque chose de caché, c'est pour que j'ai foutu un coup là-dedans. Et c'est le chien qui aboie et il n'y a rien derrière, donc non. J'avais pas le temps de tourner la caméra pendant que je me faisais chase par un dragon et quatre gorons, hein, c'est... Non, 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 non. Absolument pas. Aïe. Feu droit devant. J'espère. Ok, si on veut suivre la voie du dragon, faut pas qu'on fasse sonner la grande cloche. Eh bien, on va les croire là-dessus. Et par contre, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.